Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TaskKiller85. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, malgré le confinement. On a quand même un petit rayon de soleil, même si chez moi il y a un petit peu de vent quand même. Donc cette petite vidéo aujourd'hui, j'ai envie de dire une série de vidéos. J'ai quelques petites choses à vous annoncer et juste après je vous montre un des premiers produits, j'ai envie de dire spécial confinement. On va rentrer dans une série de vidéos spécial confinement, avec des engins pour jouer à l'intérieur. Des engins tout petits, miniatures. Vous avez eu un exemple dans l'outro de ma dernière vidéo. Vous avez également ici un autre petit indice sur quelque chose qu'on va voir et dont je suis absolument fan de chez Fan. Ça faisait longtemps que j'avais pas été fan comme ça d'un produit. Et entre nous, Yacine est tout aussi fan que moi. Donc il y a de grandes chances qu'il y ait compète dans pas très longtemps. Bref, toute une petite série de produits spécial confinement, spécial aussi arrivée de Noël, parce que ça va être le temps des cadeaux de Noël, je pense. Et là, on va rentrer sur des produits qui sont vraiment, je trouve personnellement vraiment sympa, abordable surtout, pas cher du tout, et pour petits et grands. Aujourd'hui, avant de vous montrer ce dont on va parler, juste un petit retour sur le concours permanent. Donc j'en ai discuté un petit peu avec certains abonnés, j'ai écouté des remarques qu'on m'avait faites, le fait de proposer que je tire 4-5 numéros et que le premier qui se manifeste avec son numéro gagnant puisse remporter. C'est vrai que c'est pas forcément bien parce que tout le monde n'a pas les mêmes horaires, tout le monde n'a pas les mêmes possibilités. Donc, ayant bien réfléchi, je pense que je vais trouver quelque chose qui va plaire à tout le monde. À partir du moment où je vais faire un tirage au sort pour le concours permanent, je vais attendre 15 jours, c'est-à-dire l'autre tirage au sort pour le concours permanent, ce qui s'est passé là. Et au bout d'une semaine, si j'ai personne des deux qui se sont manifestés, ça voudra dire à peu près tous les mois, grosso modo, si au bout d'une semaine personne s'est manifesté, je ferai un tirage dans la vidéo directement avec vos commentaires. Tout simplement. Donc, bien sûr, je vous préviendrai dans quelle vidéo c'est. Je pense qu'on fera peut-être ça dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas. Je vous le dirai en tout cas en début de vidéo. Et en fait, je tirerai au sort dans les commentaires. Alors, je ne sais pas ce que je vous demanderai de me mettre en commentaire. On verra bien, j'improviserai. Mais en fait, voilà, les cadeaux que j'ai mis en jeu, eh bien, écoutez, j'en mettrai un ou deux directement en jeu dans la vidéo. Ça voudra dire que vous avez maintenant deux chances avec le concours permanent. Soit vous pouvez tirer au sort avec votre numéro de commande directement dans les 15 jours du concours, puisque c'est tous les 15 jours que je fais un tirage. Et si personne ne réclame son lot, je remettrai les cadeaux en jeu dans une vidéo directement avec les commentaires. Mais les cadeaux ne seront pas perdus. Vous avez vu le postillon qui est parti? Pouh, je l'ai vu, moi. Donc voilà, comme ça, tout le monde sera content et de toute façon il y aura encore d'autres concours. En parlant de concours, un live est prévu le 10 à 18h, je vous le redirai si jamais ça doit changer. C'est prévu, mais je vais voir avec le confinement, il devait y avoir Yacine avec moi et tout ça, je sais pas si on va pouvoir. Bref, normalement un live est prévu le mercredi 10 à 18h. Voilà, live pour bien sûr le double 11, vous savez, les promos du 10, 11, 12 de Banggood. J'ai fait une sélection de produits que j'ai commandés, d'autres que je n'ai pas commandés parce qu'on les connaît déjà. Voilà, donc on fera encore un live assez sympa. Cette fois-ci, je partagerai en public, promis, pour avoir un peu plus de 80 personnes. Et surtout, il y aura encore des cadeaux, des récompenses pendant ce live, bien évidemment, et de la bonne humeur, j'espère, je compte sur vous. Donc voilà, ceci étant dit, je vous en reparlerai bien sûr un peu plus tard. Aujourd'hui, je vais vous parler du E-129 de chez eShine, un super mini hélicoptère dont je suis tombé amoureux en tant que débutant. Vous le savez, je pilote un hélicoptère qui a un GPS et tout le bourzin. Je suis pas pilote d'hélicoptère du tout. Donc, je suis ultra débutant et j'ai trouvé ce petit joujou extrêmement sympathique. J'ai vu quelques vidéos test, il m'a l'air ultra résistant. Et en plus, super facile à piloter. Et cerise sur le chapeau, je sais, ça se dit pas, il est pas cher. Ça veut dire que, je vous parle du prix tout de suite, l'hélico avec une batterie est vendu, je crois, 41€. Avec 3 batteries, il est vendu 45€. Et avec 4 batteries, il est vendu 48€. Mais j'ai trouvé un coupon qui met celui avec 3 batteries à 38€. Donc,
l'hélico, la radiocommande, tout RTF, plus 3 batteries, 38 euros. Pour ceux qui voulaient un beau petit cadeau de Noël ou s'initier à l'hélicoptère, vous allez voir qu'il est très sympa. Ouais, je l'ai testé juste avant, bien sûr. Je l'ai reçu, je l'ai déballé, je l'ai testé tout de suite, j'en pouvais plus d'attendre. Allez, on ouvre tout de suite et on découvre ce petit hélicoptère E129 pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Donc, un petit manuel d'utilisation, bien sûr. Donc là, bon, à part regarder les photos, c'est tout en anglais, bien sûr. Mais ça vous explique un petit peu à quoi sert les boutons. Alors je l'ai vu en mode 1 et en mode 2, mais apparemment il y a un bouton, je ne savais pas à quoi il servait, qui peut passer la radiocommande du mode 1 au mode 2. Il faudra qu'on teste ça tout à l'heure quand on ira le faire voler. J'ai pas encore essayé. Le principe de charge des batteries, donc vous avez un USB, voilà, moi il est branché ici, avec des petites batteries propriétaires. Oui, c'est du propriétaire, mais vous pouvez en avoir 3 ou 4 dans le bloc, donc c'est plutôt pas mal. Et vous avez un chargeur USB qui met environ 60-70 minutes, une heure, pour charger une batterie, et vous avez 15 minutes de vol. Donc là, le témoin s'allume, quand ça s'éteint, c'est que la batterie est chargée, tout simplement. On a un système de démarrage, un système de décollage-atterrissage, et une calibration du gyro. Sinon, bah, le gros intérêt, tiens, on a même un peu d'éclaté du montage. Le gros intérêt, c'est vraiment la résistance de ce produit. Donc le voici dans la boîte. Ça sert à rien. La petite radiocommande eShine, ici, qui fonctionne avec 4 piles LR06. On n'a pas de bouton sur l'arrière. On a 2 boutons sur le dessus, donc 2 sticks avec retour de force. C'est pour ça qu'on doit pouvoir passer du mode 1 au mode 2. Alors, ce bouton-là, c'est décollage-atterrissage automatique ou coupure des moteurs si on le maintient. Pour démarrer, on va mettre les 2 sticks tout en bas aux opposés ici. Et pour arrêter les moteurs, c'est la même chose. Sinon, quand vous atterrissez, vous descendez, au bout d'un moment, il va s'arrêter tout seul. Le bouton de mise en route ici. Et on a 3 boutons de trim, translation droite-gauche, avant-arrière et rotation. Et celui-ci, c'est pour passer hop, de la vitesse 1. Ah, il faut avoir démarré. Attendez, hop, je fais comme si je me connectais. Voilà, on pousse. Là, on est en 2. Là, on est en 1, donc 2 vitesses différentes. Et apparemment, pour passer en mode 2, il faudrait maintenir ce bouton-là et allumer. On va vite le savoir. Et oui, ça fonctionne, puisque maintenant, le throttle est là. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont mis un mode 1 et un mode 2, puisque là, apparemment, on peut faire les deux avec la radiocommande. Je remets en route sans rien toucher, et je déverrouille avec la gauche, donc le throttle est ici, tout simplement. Donc, voilà, mode 1, mode 2, ben, c'est encore mieux que je pensais. Hop, donc bien sûr, les petites batteries, ici, ce sont des 300 mAh en, hop là, en 3,7 V, tout simplement. Ça se recharge en micro USB, et ça se clipse tout simplement dans l'hélico. On va voir ça ensemble. Vous avez 2 pales de rechange, ainsi que un petit rotor de queue, une petite clé BTR, 2 petites jonctions ici qui servent pour les pales, bien sûr, si jamais vous cassez, et un petit tournevis. Voilà le petit hélico. On va en parler, bien sûr, un peu plus précisément, mais il paraît qu'il est super solide. Et fin du fin, j'ai trouvé dans la boîte, je m'y attendais pas, j'avais pas fait attention quand je l'ai commandé, un gros tapis de souris, comme ça, un pad de décollage et d'atterrissage. Rien que pour ça, je trouve ça super sympa. Donc tout le petit ensemble ici, comme je vous ai dit, avec le coupon promo à 38 euros, franchement, j'ai pas trouvé ça excessif à partir du moment où ça fonctionne, bien sûr, et que ce soit amusant. Si ça fonctionne pas, même 20 balles, c'est trop cher. Donc, on a vu pour la radiocommande, maintenant, le petit engin. On a un petit carénage, une petite coque en plastique dur. Alors là, super costaud pour le poids de l'engin, tiens, je l'ai même pas pesé. Donc, c'est aussi ce qui fait qu'il est très costaud, c'est qu'il est super léger. Et c'est des matériaux solides, comme vous le voyez là, le train d'atterrissage est hyper souple, donc ça peut prendre des chocs, ça absorbe vraiment les chocs. On a une petite tige en carbone carrée, section carrée de 2,5 mm, donc ça c'est résistant aussi, c'est pas flexible du tout. Donc il y a très peu de chances que vous cassiez ça. À mon avis, ce qui craint le plus sur cet hélico, ça va être les pales. Même si elles sont super costauds, comme vous le voyez, elles sont pas cassantes du tout, on peut y aller. Donc ce qui peut péter, c'est les pales, forcément, selon ce que vous allez
touché. Et ce qui peut s'abîmer aussi, je pense, ça va être ce petit engrenage ici. Alors peut-être pas celui-ci, mais je pense que c'est ça qui va pouvoir s'abîmer. Si jamais vous bloquez les pales quelque part, on va pouvoir faire sauter des dents. Mais je pense que ça, ça doit être retrouvable assez facilement. On verra avec eShine, mais je pense qu'ils fourniront un petit peu de pièces de rechange, j'espère. Mais en attendant, ça m'a l'air vraiment costaud. J'ai pris 2-3 pelles à l'intérieur et à l'extérieur. Et pour l'instant, j'ai pas pété une dent, j'ai pas pété une pale, tout va bien. Donc, matière ABS, c'est vraiment costaud, tout ce petit montage plastique. On va l'ouvrir, hop, et voir comment il est fait un petit peu. Donc on a un gros moteur brushed 8520, un plus petit à l'arrière ici. Donc c'est des moteurs qui résistent à haute température selon ce qui est marqué sur la fiche produit. Donc ça veut dire que ça va pas se démagnétiser trop vite. On devrait avoir une bonne durée de vie quand même. Une petite carte de vol ici avec les deux emplacements moteurs, avec également les branchements cerveau. On voit qu'on a un cerveau ici 2G, 2 grammes. Donc ça suffit largement pour faire fonctionner notre petit machin. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire sur le montage de ce petit chose. On a un petit LED, une petite LED à l'arrière également, elle va clignoter au départ ou elle va clignoter jusqu'à ce que vous preniez la connexion. Elle peut clignoter également quand vous faites le calibrage. Ensuite, elle va passer en fixe, puis elle se remettra à clignoter quand vous arriverez en fin de batterie pour vous signaler de vous poser tout simplement. Donc voilà pour ce petit joujou, franchement, c'est mignon comme tout. Ça m'a l'air vraiment costaud pour un tout petit engin. Moi, je me rappelle à l'époque, j'ai piloté les premiers petits hélicos, les Silverlit. Je ne sais pas si vous connaissez, si certains connaissent parmi vous. Mais oui, s'il y a des fans d'hélicoptères, vous avez dû craquer un jour pour un Silverlit. Et c'est vrai que c'était marrant, c'était rigolo, c'était à peu près pilotable, on y arrivait. Mais là, on arrive à quelque chose de vraiment, vraiment fait pour les débutants. On a donc quelque chose de résistant, quelque chose d'endurant, puisque 15 minutes de vol, c'est plutôt pas mal avec une petite batterie comme ça, surtout si vous en avez 3 ou 4. Et on a un maintien d'altitude avec un décollage atterrissage automatique et 2 vitesses de vol. Mais le fait d'avoir un maintien d'altitude, bah, ça veut dire qu'on va même pouvoir piloter à la maison sans problème. Alors attention les plantes quand même, parce que sinon maman va pas être contente. Moi la mienne elle serait pas contente. Mais j'ai été surpris par la précision du vol. Je pilote à la pince avec cet hélico parce qu'on peut faire vraiment des choses toutes douces, toutes fines. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans mon salon salle à manger là-bas. On a un petit peu plus de place qu'ici, mais je pense que je peux le faire décoller quand même ici, histoire de vous montrer que pourquoi pas dans un tout petit espace. Alors je me suis rendu compte qu'au décollage il avait tendance à partir un peu sur la gauche, le mien. Alors je sais pas s'ils font tous ça, mais pour votre premier décollage, essayez d'avoir un peu de place autour, hein. N'allez pas décoller par exemple entre deux trucs comme ça, ce serait ridicule, vous êtes sûr d'aller toucher quelque chose. Donc il part pas d'un seul coup, mais il a un petit drift sur un côté, le temps de le redresser tout simplement. Donc pour la mise en route, c'est assez simple, on va d'abord mettre en route la radio. Tiens, je vais tester le mode 1, je maintiens, j'allume la radio, tac. Ensuite je mets les connexions vers le haut, je clipse la batterie dans l'hélico, ça clignote. Donc là, il attend la connexion. On va faire au bas. Alors normalement, c'est avec le throttle. Ici, en mode 2, je vais le faire avec celui-là. Là, j'ai pris la connexion. Maintenant, je vais faire un calibrage. Hop, les deux à gauche. Ça bip et ça clignote. Et là, il est prêt à décoller. Donc, pour tester le mode 1, je vais juste décoller et atterrir parce que je ne suis pas fortiche en mode 1. Je vais le croûter dans un petit espace comme ça. Je veux juste voir si ça fonctionne. Donc, je mets les deux sticks sur les côtés, je pousse le throttle ici. Et oui, je suis inversé. Hop, je maintiens les deux boutons. Comme ça, on va tester les crashs. Donc le voilà, beau petit crash. Je vérifie quand même des petites frottures là, mais pas grand chose. Rien de cassé, tout va bien. Les dents, tout va bien aussi. Donc vous voyez, premier beau crash. Ah si, j'ai attrapé des cheveux. Oh, j'en ai pourtant pas beaucoup. Alors pour les cheveux, je pense que le mieux, c'est peut-être de retirer le rotor. Voilà. Et comme ça, on peut tout retirer d'un seul coup. On peut même se les replanter sur le crâne directement. Tac. Donc, le mode 2 fonctionne. Le mode 1 fonctionne. Alors je recommence, parce que alors moi, le mode 1, c'est pas du tout mon truc. Disons qu'il m'aurait fallu un peu plus d'espace pour tester. Parce que quand on a, surtout en cas de manœuvre d'urgence, on a les réflexes qui reviennent et j'ai voulu contrer et tout de suite je suis parti dans l'autre sens, vous voyez bien. Donc je démarre normalement ici et je fais au bas,
avec le throttle qui maintenant est à gauche. C'est beaucoup mieux. Donc, je redémarre, un petit calibre. Ouais, après un choc, il vaut mieux calibrer quand même. Je lance ici et je vais mettre un petit décollage. Hop, et je redresse tout de suite. Alors, on va trimmer à droite. Voilà, encore un peu. Donc, n'hésitez pas à trimer dès le départ pour l'aligner. On va essayer de ne pas rester trop près d'une surface parce que sinon on est perturbé automatiquement. Voilà, je trime, hop là, faut que je trime un peu vers l'arrière. Voilà. Et ben ça y est, on est pratiquement stable. Regardez ça. Et vous voyez, je vole dans vraiment un tout petit espace. Là, je vais me refaire la coupe. Donc, je reste en vitesse 1 hein, pour là. On va se faire un petit tour du propriétaire. Hop, je baisse un peu. Voilà. Et on va se poser. On va aller dans une pièce un peu plus grande. Tiens, je vais appuyer sur atterrissage automatique. Tac. Et je le pose dans ma main directement. Je vais même baisser, mais je pense que ça va se couper tout seul. Voilà. Une fois que vous l'avez dans la main, il ne faut pas baisser la main, parce que sinon il a l'impression qu'il continue à descendre. Donc une fois que vous l'avez dans la main, si jamais vous l'attrapez à la main, n'hésitez pas à remonter un petit peu la main, hop, pour lui dire qu'il est vraiment posé. Allez, on va tester ça dans le salon. Donc on va choisir un espace où on est un petit peu tranquille autour. On utilise le tapis de décollage, bien sûr. Mettez-le bien le nez vers l'avant quand vous décollez, de façon à ne pas être perturbé. On va faire un décollage automatique cette fois-ci, mais je garde mon doigt sur le stick de droite pour le redresser si jamais il part un peu au décollage. Voyez, hop, je le redresse. Alors, il va peut-être falloir retrimer entre deux vols. Voyez, là, c'est pratiquement stable. Oh, je peux mettre, non, j'allais mettre du trim, mais voyez, c'est même pas la peine. Là, il part un peu en avant, je trime un peu sur l'arrière. Voilà, c'est vraiment pas violent. Regardez-moi ce petit joujou. Allez, on va se faire une petite balade tranquillement. C'est tout doux, il fait pas beaucoup de bruit. Donc pilotage normal, hein, bien sûr, on a hop, les translations, droite et gauche. Alors c'est vraiment proportionnel, vous voyez, je pousse un tout petit peu à gauche, il se déplace légèrement. On a la marche avant, la marche arrière, ici, et la rotation. Ça répond vraiment super bien. Donc là on est en vitesse 1, donc vous voyez la rotation par exemple en vitesse 1. Si je passe en vitesse 2, donc en poussant celui-ci vers le haut, regardez la rotation, c'est beaucoup plus rapide. Je repasse en 1, hop, et ça ralentit la rotation. Donc on perd pas beaucoup d'altitude apparemment. Donc ça répond vraiment bien. Hop là. La hauteur se règle aussi assez facilement, ça j'aime bien. Ok, donc on va se poser et on va aller faire un tour dehors, même s'il y a un petit peu de vent. Alors quand vous vous posez, c'est pas évident d'être bien bien précis parce que dès qu'on se rapproche du sol, on a énormément de perturbations. Mais justement, c'est l'entraînement qui fait ça. Là, on se rapproche du pad et on balance tout vers le bas. Et on contrôle avec le stick, bien sûr. Et voilà. Eh ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va tester dehors. Donc, ben, on a une belle piste de décollage. Le terrain de pétanque, ça devrait le faire. Donc, voyez, il y a un peu de vent. Hein. Vous voyez l'arbre là-bas qui bouge et le moulin qui tourne. Donc, on va voir comment ça fonctionne avec le vent. Décollage automatique. Voyez, petit décalage sur la gauche, léger. Ah,
Alors, il y a une distance de pilotage de 80 à 100 mètres donnée, mais je vous conseille pas, hein, parce que il est vraiment petit. Alors, on va voir si ça répond bien. Donc là, je suis en vitesse 1. C'est plutôt pas mal. Je reprends de l'altitude. On voit les petites vibrations avec le vent. Ah, on va passer en vitesse 2. Hop, je baisse en hauteur. Voilà. Je passe en vitesse 2. Tac. Donc là, on a un peu plus de répondants. Je mets un peu de gaz. Waouh! Ah ouais, en effet. Regardez. Alors attention, parce que vous pouvez perdre de l'altitude en vitesse 2 si vous poussez à fond dans les manches. Hop là! J'ai le vent qui m'emmène là-bas. Faut que je fasse attention. Ouais, faites gaffe hein, si vous n'avez pas trop de place. Ah ouais, ça répond tout de suite. Même au niveau des gaz, ça répond bien en vitesse 2. En plus, le vent vient vers moi là. Donc c'est bien, ça va pas me l'éloigner. Ah, en fait, le vent est comme ça. Donc c'est pilotable. Je pousse à fond en avant. Oh ouais, il perd un peu d'altitude face au vent forcément. Mais en tout cas, il est carrément pilotable. Il n'y a pas de souci. On va éviter le crash. Même s'il est costaud. Je vais partir en rotation à fond. Hop là. Oh, je le perds au-dessus de la maison. Donc voilà le genre de petit engin qu'on va pouvoir piloter chez soi, même si on n'a pas trop de place. Je vais repasser en vitesse 1. Tac. Ouais, en vitesse 2, il a vraiment énormément de répondants. Je couche en translation. Ah, ça marche vraiment bien. Alors, si vous avez une grande maison, c'est que du kiff. Hein. Allez, on va essayer de voler en rase-motte. Je vais perdre de l'altitude. Ah, j'ai du mal à reculer là. J'ai le vent qui m'emmène dans le trou. Ah, c'est bon, ça recule quand même. Allez, on va se faire un petit vol tout doux. Je surveille la LED. Voir si ça se met pas à clignoter. En tout cas, il est hyper précis. Bon, le vent, on sait que ça perturbe aussi pour le maintien d'altitude. Hein. Ah, il reprend tout de suite, hein, dès qu'on remet un coup de gaz. Là, coup de gaz, hop, directement. Ah, ça y est, ça clignote à l'arrière. Bon, j'avais déjà volé, hein. Mais 15 minutes d'autonomie, ouais, c'est vraiment sympa, hein, pour ce petit engin. Allez, atterrissage automatique. Clic. Et je le dirige, simplement, pour contrer. Et voilà. Yes! Couper plus vite comme ça. Oh bah non, faut pas y toucher, il va se couper tout seul. Yo. Yep les amis, donc voilà pour ce petit pack de vol débutant. Bravo eShine encore une fois, franchement tu me régales. Alors j'en ai pas testé beaucoup des petits hélicoptères, mais celui-ci m'a attiré. Je sais pas pourquoi, si le prix déjà, et puis une ou deux petites vidéos que j'avais vues, une de Alishan Mao qui a été le cracher volontairement sous des escaliers, etc. Il a juste au bout d'un moment fini par abîmer une petite hélice, manger 2-3 dents d'engrenage, mais il faut vraiment vouloir y aller si vous faites attention. Il n'y a pas de raison, si vous ne cherchez pas les galères, j'ai envie de dire, vous pouvez vraiment le piloter tranquillement. Prenez votre temps déjà et mettez-vous dans un espace où vous n'avez pas trop d'obstacles autour de vous.
Et je pense que vous réduirez les soucis de touchette et de casse, à mon avis. Donc voilà pour ce petit pack eShine avec le petit E129. Franchement, très beau joujou. Je suis pas déçu. Du déballage au pilotage, c'est que du bonheur. Franchement, pour un débutant, ça permet d'avoir vraiment les bases. Et on peut aussi se surprendre. J'ai hâte de tester par un jour sans vent, vraiment, ou dans une salle omnisport, parce que je pense qu'il y a vraiment, vraiment moyen de s'amuser, même si on peut pas faire de tonneaux ou de figures d'acrobatie, on peut quand même prendre de la vitesse et faire des gros virages à 180, etc. Il y a vraiment moyen de s'amuser, quoi. Sinon, bah, bien sûr, un concours d'atterrissage, de précision, etc. Je pense qu'il y a pas mal à faire avec ce petit engin-là. Donc voilà, bah, dites-moi dans les commentaires si ce petit joujou vous plaît, comment vous le trouvez. Moi, la note sera bonne parce que, encore une fois, je parle du rapport qualité-prix et que ce soit autonomie, résistance, etc., pilotage, je pense qu'il mérite une bonne note. Je lui mettrai facilement un petit 19 sur 20 parce que je prends en compte mon coupon qui permet de l'avoir à 35 ou 38 euros avec 3 batteries et je trouve ça énorme. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Et puis, bah, je vous tiens au courant pour la suite, pour le live et pour les cadeaux. Restez à l'écoute. Donc, merci encore une fois à tous pour votre soutien. Et moi, bah, il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus, surtout... Portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao!